Salut les amis, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour sur Farming Simulator 2015 sur la map All Zone. Hein, plein de dessins. Donc aujourd'hui on va faire du copo parce que quelqu'un qui m'a demandé du copo. Je le connais, bon c'est un petit con mais bon, on s'en fout un peu. Donc vu que j'ai fait une petite connerie dans mon épisode, entre épisode, en gros j'ai rangé tous mes bois, mais ça va pas être trop difficile je pense mettre ça dans la nouvelle, d'ailleurs que je vous ai pas montré. On a une ponce qui est tout simplement la même ponce qu'il y a de l'autre côté en fait, mais avec un bug là pour l'instant, parce qu'en gros le tronc qu'il y a là, le tronc qu'il y a derrière a été déjà coupé, donc voilà. Franchement j'espère que le jeu qui aura lundi en vidéo découverte vous plaira, parce que franchement je trouve que c'est un très bon jeu. J'ai déjà fait l'une des précédentes séries en let's play et franchement que j'avais adoré, mais bon, vu que j'ai perdu la sauvegarde et que ça faisait déjà deux fois que je le recommençais de zéro, pas forcément en caméra, donc ça me donnait pas envie de le recommencer encore une fois. Donc voilà, mais je vais commencer peut-être, même certainement, parce que j'ai le jeu, donc sur ce nouveau jeu tout beau tout neuf. Donc par contre faut que j'aille chercher la remorque, donc la benne. Je vous l'ai déjà présenté sur Belgique Profonde V2. C'est une benne tout ce qui est plus simple, hein. Donc par contre le truc que je sais pas, et franchement ça commence à me casser les pieds aussi, c'est où c'est qu'on vend les copeaux. Ça je sais pas. J'ai déjà fait un petit tour de la map, on va dire, mais j'ai pas réussi à voir en fait où c'est qu'on vendait les copeaux, et ça m'énerve. En gros, j'ai réussi à le mettre dans mes réservoirs, mon entrepôt, mais c'est tout. Et donc voilà. Et pour vous dire franchement, j'ai déjà fait pas mal de bois, parce que là, en gros, il doit y avoir deux arbres maximum, deux ou trois arbres peut-être. Et donc voilà. Donc on va faire un épisode plutôt court. Après, je vais pas vous dire que ça sera peut-être long, mais je pense pas. Donc ce que j'ai trouvé comme technique pour utiliser cette broyeuse, qui est très bien, je sais plus où c'est que je l'ai trouvé. De toute façon, vous cherchez chips ou shipper, sur n'importe quel site de mode, vous trouverez des broyeuses comme ça. Quand vous allez dans leur barre de recherche des sites en question, et vous cherchez broyeur, et vous trouverez ce genre de machine sur tous les sites de mode, et vous trouverez votre bonheur. Je vous dis clairement. Je n'en sais pas plus que vous. Je n'en sais pas plus du tout. Tout ce que je sais, c'est que moi, je l'ai trouvé comme ça. Il y avait une machine qui me plaisait pas trop. Parce que j'ai réessayé avec celle de base, mais ça marche pas du tout. Je fais un truc pour pouvoir que ce soit plus simple. Et ça n'a pas marché du tout, donc j'ai pas testé plus longtemps. Donc on prend la machine et la pince. Hop. On prend un bout de bois, on le pince. Deux. Mais après deux, c'est plus complexe hein, quand même. Mais on pince, hop. Allez, grimpe. Et après, non, monte. Et après, on tire vers nous. Pour pouvoir qu'on soit tranquille lors du lâchage et qu'on. Rien affiche, je veux savoir. C'est pas... Mais bon, ça bug un peu, mais pas trop quand même. Ben, on va dire que ça bug, mais sans pas trop. Voilà. Ce mode, donc, en gros, il est moins buggé que celui que j'avais fait, je vous avais présenté auparavant. Parce que celui que je vous avais présenté auparavant était... Eh merde. Parce
que je redoutais. Donc excusez-moi pour le petit bruit là, c'est le lave-vaisselle qui vient de finir. Donc voilà. voilà. Donc on va essayer de broyer au moins tout ce qu'il y a dans cette remorque, on verra. Ça prend un petit peu de temps, d'ailleurs j'espère que j'aurai assez de batterie, j'ai déjà perdu une barre. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, hop, on prend, on soulève, on tire vers soi. Hop, on tire vers soi. On ramène. Non, on sort. Hop, hop, hop. Et après, on va pour poser. Mais je crois qu'il touche pas là. Ah, si chiotte. Donc le but en gros c'est de mettre un maximum de bois sur je peux pas dire ça comme ça, mais parce que là en gros tout le bois que j'ai mis dans la remorque en fait dans parce que je crois que c'est soit c'est un mode, mais en tout cas si je devais recommencer je le prendrais pas en 9 mètres comme j'ai fait là, mais je le mettrais en 7 mètres parce que le 9 mètres en fait c'est beaucoup trop gros pour faire comme ça. Donc je pense que la prochaine fois, si je fais ça la prochaine fois, bugué. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière non plus, je pense. Voilà, on tire vers nous et après on le dépose. Hop. Et après il va revenir tout seul vers la machine. Donc excusez-moi, c'est vrai que en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis vraiment bien concentré dans le. Ah si, il y en a un qui part. Et le deuxième partira après. Mais bon, attendez. Le temps qu'il mâche un peu. Après, le temps qu'il mâche le deuxième avec. Donc là, je suis en train de boire un petit café. C'est le matin. C'est de bonne heure. Tout va bien. Donc voilà. On est content. Donc j'espère que. Voilà. Ça vous plaît plutôt bien que je partage un peu tout ça avec vous. Ça là, partager un peu de farming, partager un peu de tout ça. Donc voilà, ce mode est plutôt bien. Bon, il lague un peu, on va dire. Et là, voilà, il s'arrête de couper de temps en temps. Bon, ça va, on va dire que c'est pas très très long. Donc voilà, c'est pas pire que l'autre qui arrivait. Par contre, l'autre, l'avantage c'est qu'il avait un peu de stockage, mais je pense que lui il en a aussi un peu, et pas beaucoup. Donc, je sais pas trop, je sais pas. En fait, j'ai pas testé sans stockage. J'ai juste testé avec la remorque. Parce que, à la première vue, il avait pas l'impression d'avoir un truc de stockage. Donc, j'ai pas essayé de plus. Donc, là, on va essayer de prendre la deuxième, là. La bûche qu'on avait mise tout à l'heure. Et après, il ne restera plus de temps que ça. Putain, j'aime pas avoir les écouteurs comme ça. Je sais pas comment ça vous fait à vous, si vous faites aussi des vidéos ou pas, mais j'aime pas avoir un écouteur dans l'oreille, ça me déplaît énormément, je m'entends pas bien et j'aime pas ça. Et clairement, j'aime pas ça du tout. Je préférerais être en haut-parleur, mais si je me mets en haut-parleur, j'aime pas avoir un écho non plus dans ma vidéo, donc ça fait dégueulasse. Et voilà, c'est juste pour ça, et c'est vrai que ça fait vraiment dégueulasse. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, je le trouve exceptionnel ce mode. Il est mieux. En tout cas, il peut beaucoup moins que celui qu'on avait avant. Bon, il bug de temps en temps. Des fois, il y a des branches qui décollent. Des fois, il y a des branches qui décollent pas. Voilà. En gros, ce mode est vraiment bien fait, je trouve. Il est vraiment exceptionnel, tout simplement. C'est vrai que. Il est bien fait, il est mieux fait que celui que j'avais avant, parce que celui que j'avais avant souvent tu faisais une petite connerie. D'ailleurs j'ai fait un test avec celui, le mode que j'avais avant. En gros, c'est déjà trop tard, je peux en mettre un autre.
Avec le mode que j'avais avant, en fait, il se mettait à disparaître. En gros, une fois que j'avais mis un ou deux troncs dans la glissière, on va dire, le tronc, le tronc, la remorque disparaissait. Et voilà, ouais, on sait pas. Là, il me l'a fait une fois ce coup-là. Après, j'ai fait putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai réinitialisé la remorque, et après je suis allé voir ce que je pouvais faire. Et puis là il était tellement en train de bugger, en gros la remorque était techniquement à côté de là où elle était vraiment, ce qui fait que quand je l'accrochais je pouvais même plus avancer. Donc je l'ai vendu et puis j'ai pris ça à la place. Je suis allé chercher ça sur internet et ça passe très très bien, ça passe quand même, c'est vraiment très très bien. Et vraiment celui-là je l'adore, il est vraiment exceptionnel, il a tout pour plaire à peu près. Allez, je monte. Allez, hop, viens vers moi, viens voir papa. Allez, hop. Allez, hop. Voilà. Non, comme ça, c'est gentil. Donc voilà, après moi franchement je vous dis, j'adore faire du Farming Simulator. Bon, des fois c'est vrai que ça n'a pas trop l'impression, parce que c'est vrai que d'en faire trop régulièrement, ça fait un peu long. C'est-à-dire, on va dire que ça fait un peu trop. Mais bon, quand j'ai pas d'idée, au fait, ça va être ça. Ça va être du farming plus simple avec du bois. Ah putain, mais tu me fais chier, non. Mais en fait, des fois, il y a quelques petits bugs, mais je pense pas que ce soit un bug, en fait. C'est plutôt parce que il penche, ou parce qu'il y a un truc comme ça. Parce que des fois, en fait, il penche trop. Donc ça lui plaît pas. Ce que je vais faire, donc... j'ai acheté une tronçonneuse spéciale parce que là, je vais pas acheter de tronçonneuse spéciale. Il n'y a pas de tronçonneuse spéciale, mais j'ai acheté une tronçonneuse là, spécialement pour faire ça, parce que j'en avais pas. Parce que j'ai essayé un peu sur avant, j'ai fait quelques troncs avec celle-là, avec une autre, avec plusieurs broyeuses. Putain, allez, coupe-moi ça, coupe-moi cette merde. Allez, coupe. Oh. Donc voilà, et après normalement quand je réactiverai après ça marchera. Voilà, hop. Allez voir ça. Hop. On va dans le véhicule. Et on réactive la machine. Et voilà, comme vous voyez, je vous dis que ça marche. Donc voilà. En fait, c'est, je pense. Oh putain, ça bug. Il y a des bugs de vue quand même dans le jeu un petit peu. Donc voilà. Je sais pas, j'avais ça déjà sur le 2013. Bon, je sais pas si vous l'aviez, mais bon. Ça me fait un peu. Putain, mais merde, hâte de me faire chier, toi. Voilà, hop, on va aller en prendre un autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vraiment je fais que de la merde, si c'est vraiment plutôt pas mal, si il y a de l'idée, si vous aimez bien ce mode aussi. Et ça m'emmerde aussi quand ça veut pas. Ouais, ce petit bout là. Et c'était plus qu'un petit bout comme ça quand j'ai... T'es sérieux? Ah bah oui. Ah bah c'est con. Pourquoi j'ai fait une connerie pareille? Pourquoi j'ai coupé? C'est pas grave. C'est pas très grave, on va dire. Donc on ramène. Non, dans le sens. Donc voilà, là je suis vraiment concentré sur ce que je fais. Donc excusez-moi si je parle pas trop, c'est vrai que c'est un peu con. Mais bon, après c'est vrai que je parle beaucoup du jeu, alors je pourrais parler d'autres choses. Donc voilà, là en plus je vous ai pas dit, franchement je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit du tout. Je viens d'avoir la fibre. Je suis refait à 110%. J'ai eu la fibre. Donc je sais pas encore, pour ceux qui pourraient être intéressés, même pour ceux qui ne seraient pas intéressés, je
vais me mettre à faire, tenter de faire des lives, en gros sur YouTube d'abord, et après on verra peut-être sur Twitch, sur je ne sais quoi. Donc voilà, et ça pourrait peut-être être intéressant. Donc là, je vais vite boire mon café avant qu'il soit froid. Donc franchement, moi je trouve que ce mode il fonctionne particulièrement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ce que vous... Pardon, excusez-moi. Moi franchement je le trouve particulièrement bien fait. Même si je trouve que dans le fait, en gros, il est un peu basique. Parce que sur un point de vue technique, il est très très basique. C'est un peu ça que je reproche. On va dire, c'est un mode très très basique. Donc voilà. Mais sinon, après, moi ça me dérange pas plus que ça. Qu'il soit basique, on va dire. Mais ce que je lui reproche le plus, c'est vrai que c'est les petits bugs qu'il a, mais bon, c'est des tout petits bugs par rapport à l'autre, franchement, que j'avais avant, si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez un peu, franchement, l'autre était vraiment dégueulasse. Il avait vraiment des bugs dégueulasses. Bon, vous l'avez peut-être pas... Ah si, vous avez peut-être pu le voir. Je sais pas si vous l'avez vu une fois, peut-être, quand je me téléportais dans mes véhicules... Vous avez peut-être vu la remorque qui était toute seule d'ailleurs à l'envers, et elle devait pas être à l'envers en fait, et juste parce que et aussi il y a un autre avantage sur cette broyeuse, c'est que je sais pas comment vous dire ça, parce qu'en gros cette broyeuse, elle a l'avantage en fait elle a un autre avantage, c'est qu'on peut rouler en même temps que la broyeuse est en route. C'est un des petits avantages qu'elle a, et moi je trouve ça plutôt sympa par rapport aux autres qui roulent pas quand qui peuvent pas rouler quand elles sont en train de broyer. Par contre, le truc, c'est qu'on a l'impression quand même, quand on voit la buse, que ça ressemble un peu aux buses des ensileuses, donc elle va suivre la remorque, mais non, en gros elle se met comme ça à chaque fois, ça suit pas la remorque. De toute façon, je crois que vous avez pu le voir au début, c'est un petit défaut mineur. Allez, hop, on recule un petit peu. Donc comme vous voyez, on peut reculer en même temps qu'on broie un truc. Donc si, il y a bien un petit espace de stockage quand même. Donc par contre, attendez, je vais déplacer un peu la remorque parce qu'il faut qu'elle soit un peu comme il faut, quoi. Donc vous voyez, elle est déjà pleine à presque 50%. Par contre, vous l'avez peut-être pas vu comme ça en fait, la remorque. Vous l'avez peut-être vu dans son en gros, en termes naturels, on va dire, plutôt. Parce que quand vous l'avez vu, elle était peut-être en gros sans le truc gris dessus, le rehaussement. Voilà. Arrête de me faire chier, bordel. Donc voilà, hop, on va rester comme ça. On va aller prendre la dernière bûche d'ailleurs. Voilà. Comme vous voyez, c'est la dernière, donc on va pas tarder à s'arrêter. Parce que c'est la dernière. Bon, il reste des petits copeaux, des petits rondins, mais bon, je m'en fous un peu de ça. Ça vaut pas grand chose. Donc, merde. On va aller choper ce petit bout là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi je trouve ça tout simplement. Ce mode, il est vraiment bien. Après, le truc, c'est que c'est l'autre mode qu'il faut pas qu'il bug. Parce que des fois, en gros.
Je sais pas, les premières fois ça me l'avait pas fait. Et puis quand ça me l'a fait, j'ai fait bon, on va rester là. Parce que comme je dis, si c'est pas toi qui vas à la broyeuse, c'est la broyeuse qui viendra à toi. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Parce que normalement je l'avais mis dans la pente là-bas où elle était au début de la vidéo. Même si vous voyez pas exactement. En fait, je montre pas exactement au même endroit dans la vidéo que là. Donc voilà. J'espère quand même que ça vous plaît, que les prochains épisodes vous plairont aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée pour me servir. Ah, peut-être encore assez haut. Ok. Ah, il y a un peu plus haut, il y a un peu par là, voilà. Hop. Et voilà, en gros, si ça peut me servir et que voilà. Parce qu'en gros, c'est vrai que YouTube, c'est pour moi une chaîne, un truc d'entraide. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour l'instant. Là, on est à 21 minutes. Franchement, je pensais pas faire si peu de temps. Je pensais pas du tout faire si peu. Et j'y suis plutôt bien arrivé. On en est où là? Il est où? Il fait quoi? Et il est carrément coincé dans la remorque. Donc là il y a un petit bug. Je vais essayer de faire un truc. Je vais sortir de là et puis je vais aller dans l'autre. En fait les deux ponts c'est les mêmes. La seule différence. Non, c'est. Bah c'est les mêmes mais pas toutes. Non, il y en a une qui a un essieu de plus par rapport à l'autre. Mais sinon c'est les mêmes. Ce que je vais essayer de faire. Qu'il me reste plus que celle-là et qu'elle est buggée. On va essayer d'avancer avec ça. Vu que je suis pris de l'autre côté, on va essayer de voir. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai la technique, mais bon, faut avoir après le doigté. Bon, on va pas trop parler de ça là. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Bon. Voilà, on va lâcher ça ici. Hop. Là, c'est notre sens. Et là, on met en route. Et c'est parti, les gars. On a fini le dernier. Enfin, on commence le dernier tronc. Donc, j'espère que ça vous a plu, franchement. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, bon. On n'est pas là pour boire du café. Malgré que c'est. Moi ce que j'aime bien tu vois c'est dans ces vidéos, dans mes vidéos, j'aime mettre un peu de convivialité comme voilà, vous voyez, je bois un peu de café avec vous et tout. À 9h30 du matin. Non, je déconne, j'ai pas 9h30. Dans la vie irréelle, il n'est pas 9h30 dans le jeu, oui. Alors. Donc voilà, on a bientôt fini, le tronc va nous donner un peu de pépette, là, si on arrive à le vendre. Donc si vous avez la map, ah, je crois que ma remorque est pleine. Donc oui, on a bien une petite réserve. Je sais pas où elle se cache, mais on a une petite réserve. J'ai l'impression. Parce que comme vous voyez, on a quelque chose, mais on a une réserve. Voilà. Donc je vais vous montrer où c'est que j'ai mis le reste de... Non, c'est la... De mes copeaux. Parce qu'en gros j'ai fait deux petits allers-retours là-bas pour... Non, je suis pas plein encore. Par contre, ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est un petit plus. Malgré que c'est pas grand chose de plus. Hein, le fait que justement ça fasse ça. En gros, que ça fasse une bosse, des trucs comme ça. Ça fait plutôt pas mal. Il y avait pas ça. Ben, il y avait un peu ça sur le 2013. Un peu, je dis bien un peu, parce que ça y était, mais vaguement, quoi. On voyait à peine, alors que là, c'est vraiment flagrant. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Donc là, voilà, je coupe un peu dans la forêt. On a fait un petit bosquet.
ou un petit, je sais pas comment on peut l'appeler, mais bon, donc voilà, normalement faut aller par là. Voilà, il y a une sortie. Par contre, le truc, c'est vrai que j'aime pas trop les buissons. En fait, les buissons sont vraiment pas très très bien faits, on va dire, parce que on arrive dedans, on est bloqué. Alors, je pense qu'un tracteur, il défonce comme il veut le bosquet. Hein, ben, le puissant. Donc voilà, c'est pas compliqué. Là, on doit aller. Je sais même plus où on doit aller. Ah si, à droite. À gauche. L'autre droit. Il y en a des fois où on peut passer dedans, dans les buissons, et puis d'autres on peut pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est les portes qu'on peut ouvrir et fermer, ça je trouve ça plutôt sympa. Donc franchement, moi je trouve que ce mode, bon, il est plutôt pas mal. Il est au moins aussi bien que celui qu'on avait avant. Putain, mais oh, je suis sûr que je gueule en fait. Je m'entends tellement mal que je suis sûr que je suis en train de crier. Mais bon, pour l'instant c'est pas le but du jeu. Donc voilà, on va. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est les portes qu'on peut ouvrir et fermer. Ça, c'est vraiment sympathique. Excusez-moi pour ce petit. Donc voilà, là c'est mon hangar pour mes copeaux. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà pas mal. Et vu que moi je suis pas en ultra ou en élevé, j'ai pas les rétroviseurs, mais sinon je le ferai avec les. Eh bien, j'essaierai de le faire avec les rétros. Mais bon, vu que j'ai pas les rétros, je vais pas essayer. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Ce que j'aimais bien aussi sur le 2013, c'était un mod. C'était pour faire des créneaux qui étaient pratiques, c'était le. Comment il s'appelait déjà? Je crois que c'est un. Non, pas de. Un je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était. Ou de toute façon, vous devez le connaître. En gros, pour ceux qui ont beaucoup joué à Farming, en gros, c'est un mode. C'est dégueulasse. C'est un mode, en fait, ce mode. Ce qui est bien avec ce mode, c'est qu'il est très. Comment dire, il est vraiment polyvalent pour faire un. Donc, on va lâcher la remorque là et puis on va aller faire un petit tour. On laisse la péter avec les chenilles et tout. Comme vous voyez, la remorque baisse quand même quand il n'y a plus le chargement dessus. Donc, on va aller faire un petit tour parce que je vous avais pas montré du tout la map. Et c'est vrai que c'est un petit plus de vous montrer la map. Donc, c'est vrai que là, mon ordinateur tourne bien. Je suis content. Donc, là, on a une petite allée résidentielle très sympathique. Très, très sympathique. Là, on a vraiment, en fait, c'est la zone résidentielle où on a notre ferme, qui est très très sympathique. Donc il y a quelques champs quand même, c'est une map qui est basée peut-être un petit peu plus sur tout ce qui est forestier, mais bon, il y a quand même un peu de fermier dedans, et d'animalier, on va dire, de fermier, quoi, de agriculteur. Donc voilà, hop, allez, on va aller voir le magasin. Est plutôt pas mal aussi. Donc voilà le magasin, on peut ouvrir et fermer le portail. Donc comme vous voyez, voilà, il y a des petits machins blancs qui s'affichaient. On a vraiment pas mal de choses. Oh putain, là il tourne exceptionnellement bien là. Donc voilà, on est plutôt pas mal ici. On tourne vraiment bien, je trouve. Donc voilà, après tant qu'à dire, voilà, là après il y a le magasin où on peut vendre. Bon, je passe à travers les buissons, c'est pas très grave. Vendre les œufs et faire des emprunts, des trucs comme ça. Là, on peut vendre du blé, du maïs, etc. Je dis, franchement, je connais pas la map. Hein, je la connais autant que vous. J'ai même pas visité, franchement. Je l'ai téléchargée, j'ai vu qu'elle était plutôt pas mal et qu'elle était quand même plus ou moins bien basée sur le bois. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de forêts quand même dans sur cette map. Donc je la visite en même temps que vous. Franchement, je la connais pas du tout. Cette map, je la connais vraiment pas. Voilà, je connais les bases. Je sais ce qu'il y a là, la route de Saint-Cul-de-Sac, je crois. Non. Ce qu'il y a au bout de la route.
ma route, oui, j'ai vu le trou, oui. Enfin, check. Mais c'est pas la fin de la map en fait. Ah si. C'est la fin de la map, mais bon. J'ai vu le doute, oui. Ah oui, en fait, voilà. On va faire un peu de tout terrain, les gars. On va visiter un peu tout ça. Donc là-bas, on est déjà allé. On va dans les champs. Bon, ils n'ont pas été semés, heureusement. C'est pas comme on aurait voulu. Par contre, ce que je sais pas, c'est là où on met non plus les bois. Franchement, je vous dis, je la connais pas du tout, cette map. Je la connais pas du tout. Je sais même pas où c'est que sont les magasins pour vendre. Bah, il y en a quelques-uns qui sont marqués sur la carte, mais franchement, là normalement dans le coin que vous voyez là au milieu, là où il y a beaucoup de trucs au niveau du village, il y a normalement le truc pour vendre les copeaux. Et le truc c'est que je sais pas où est le truc pour vendre les copeaux. Après, peut-être qu'il n'y est pas, ils l'ont pas encore mis dans cette version, mais qu'ils le mettront. Car je sais pas du tout, et franchement c'est ça qui me manque moi, c'est les copeaux. Alors, en gros, les copeaux sont très bien faits, doux, c'est vraiment voilà, c'est un peu comme sur la map de base, hein. Il y a pas grand chose, il y a pas chier, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas faire quelque chose là dedans donc on va pas faire une vidéo trop longue. 30 minutes déjà, c'est très très bien. C'est même un peu trop long. Franchement, je trouve que ça fait plutôt bien, ça fait joli et tout. Franchement, chapeau. Ça me fait penser à un coin près de chez moi qui est plutôt pas mal. Ils ont fait pousser une route à côté, une autoroute plutôt. Ça, je pense que le bois, on doit le vendre ici. Si ça marche comme. Parce qu'il me semble que, en fait, dans le 2015, on a, pour vendre le bois, on n'a pas forcément besoin d'aller à la Syrie. Mais j'en suis pas sûr. Donc là on a l'usine de biogaz. Mais bon, on va s'arrêter là. Je vous dis à plus tard, donc à lundi, pour une présentation de jeu, d'un nouveau jeu qui me plaît énormément. J'espère qu'aussi la nouvelle caméra, bon elle est plus tant nouvelle que ça, parce que ça fait quand même 4 ou 5 mois que je l'utilise, hein, déjà. Ouais, ça fait. Non, ça fait moins que ça, j'ai eu au mois de février, je crois. Donc ça fait 2 ou 3 mois que je l'ai. Et franchement, moi j'en suis déçu à 10%. Je suis déçu à 10% parce que la qualité est tout simplement extraordinaire pour le prix que je l'ai payé. Le seul petit hic qu'elle a, c'est sa batterie qui dure à peine, qui dure très peu de temps, toutes les deux vidéos, même pas. En gros, je peux faire une demi-heure vidéo et je suis obligé de charger la batterie. C'est un peu dommage, mais bon, on va dire que ça passe et que je peux me débrouiller autrement, parce que l'avantage qu'elle a, c'est que je peux l'utiliser en la chargeant, donc ce qui fait qu'après elle ne coupe plus. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous quitter là, je vous dis bonne chance, enfin, bonne chance dans la vie en hein, général. Et puis moi je vous dis à plus tard, parce que la vie c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ménagez là et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez bien et que vous voulez voir d'autres vidéos. À vous abonner, allez voir ma page Facebook qui est dans les commentaires, dans la description, ma page Twitter, ma page Google Plus aussi. Même si c'est moins important, je pense, la page Google Plus, parce que c'est vrai que c'est un peu con, mais bon. Mais bon, j'ai Twitter, Google Plus et Facebook qui sont dans la description. Après, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Mais à part sur Facebook, je suis pas trop dessus, parce que j'arrive pas à. Après, c'est peut-être pas automatiquement que ça se fait. Pardon. Ça se fait peut-être pas en automatique. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Donc voilà, après vous cherchez un peu sur Twitter, voilà, vous connaissez un peu. J'ai toujours un même simulator, voilà, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. C'est tout simple, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner,
à mettre un petit j'aime sur Facebook, au pire, même si je mets pas forcément le lien des vidéos, je les mets toujours sur Twitter. Ben, elles sont toujours mises sur Twitter, ça c'est une chose qui est sûre. Après sur Google Plus c'est pareil, c'est toujours mis aussi. Donc voilà, vous allez chercher sur un même simulateur, vous cherchez même simulateur sur toutes les chaînes de réseaux sociaux à peu près, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas, Skyblog j'ai pas, plein que j'ai pas, mais bon, ou Turble, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai pas non plus, mais bon, on va dire que ça reste, en règle générale, j'ai à peu près tous les réseaux sociaux à peu près. Donc voilà, donc moi je vous dis à plus, je vous souhaite à tous de passer des bons moments, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous reviendrez. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, je pense que si j'arrive aux 100 abonnés, je ferai peut-être une vidéo spéciale, mais pour l'instant en tout cas je vais peut-être me pencher un peu plus sur les lives, des trucs comme ça, parce que c'est vrai que maintenant j'ai la connexion qui va bien. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite à tous de passer des bons moments tout seul, en ma compagnie, avec des amis. C'est très important les amis, c'est la seule chose qu'on peut choisir dans la vie. À peu près. Parce que c'est vrai qu'on peut choisir certaines choses, mais pas toujours quoi. On va dire que c'est souvent... Voilà. À part si on a été adopté, mais bon, c'est pas nous qui choisissons non plus, c'est les parents qui choisissent. Là. Les parents adoptifs qui choisissent... si ils vous gardent ou pas, donc voilà. Après, voilà, bon, ça n'a rien à voir. Je vous parle franchement, les amis, c'est vrai que c'est la seule chose qu'on peut choisir, mais qui est très important de bien choisir. Voilà. En gros, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Mais bah, c'est un bon proverbe pour de temps en temps, quand même. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Parce que moi franchement j'ai adoré faire cette vidéo, franchement j'ai trouvé un mode exceptionnel qui bug quasiment pas. Franchement vous pouvez aller le chercher, je sais plus c'est quoi, c'est superminesimulator.it je crois, ou .it, ou je sais plus trop. Vous cherchez Shipper, IPPER, donc 2PR, voilà, et après vous avez toutes les broyeuses, et celle-là c'est un monstre, franchement, vous dites, vous faites glisser les machins dessus, ça part tout seul, et en plus il y a un petit moyen de stockage quand même, donc c'est assez sympathique. Donc voilà, on va se quitter sur ce magnifique menu, et en plus je trouve quand même que aussi cette map, ils ont fait quand même un effort sur la présentation quand même, parce que on voit quand même que ils ont fait un alignement qui est plutôt sympathique, qui rend plutôt bien, qui est très, vraiment très très sympathique. Donc voilà. Bon là je commence à faire une vidéo un peu longue quand même. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement dites-moi si je fais des vidéos trop longues. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'essaye de faire des vidéos assez carrées. Parce que c'est vrai que voilà, j'aurais fait vraiment tout ce que j'ai coupé la dernière fois en vidéo. Ça aurait été vraiment trop long, j'aurais mis une heure et demie, une heure. Bon, je m'en fous, maintenant j'ai la fibre, donc en une heure et demie, ça aurait été sur internet. Mais bon, après, j'aurais passé 5 heures au montage, quoi. Donc, ben, plus, 8 heures. Donc voilà, même là, je vais passer 5 bonnes heures au montage. Mais bon, c'est pas ça qui m'emmerde, parce que je peux faire autre chose pendant ce temps. Mais bon, autant gagner un peu de temps. Donc voilà. On va dire que je vous dis plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao !